peut-être une deuxième victoire consécutive pour vraiment bien débuter la saison et impressionner la concurrence. Oui, vous avez raison, Harvey. Ils ont bien commencé. Il faut effectivement confirmer maintenant pour marquer les esprits. Iniesta. Elle donne carrément le ballon à l'adversaire. Et on passe. Au choix. Ça aboutit finalement à cette perte de balle. Au choix. Iniesta. Oui, le centre. Encore elle vient. Voilà, au moins, ça débarrasse. Allez, bien s'appliquer sur le centre. Elle l'a vu qu'il n'était pas tout seul. Allez, touche, on est dans les 30 derniers mètres. Essayer de lui prendre le ballon. Un bon pressing du défenseur. Bien joué la touche. Eh bien voyons. Touche encore. C'est bien parti. Il y est. Il faut plus tout le sauf la lucidité de ce jeu. Récupère ce ballon. Iniesta. Allez, s'il lève la tête, il a du soutien. Corner, ça peut être dangereux. C'est sûrement le tournant du match. On revoit ce but. Ça. Allez, bonjour la touche. Le ballon arrêté, bien capté. L'arbitre va peut-être sortir un carton maintenant. Ah, c'est un peu le gardien qui peut s'emparer du ballon. Eh oui, il était très vigilant sur cette action.
C'était pas un cadeau pourtant. Il va pouvoir se dégager après cette sortie de but. Touche. Ce ballon est perdu. Attention à cette perte de balle au milieu. Iniesta. Ils font tourner. La frappe. Il vient en contact. Vertonghen. On récupère le ballon. Oh, quelle occasion! Ballon bien porté par le gardien. Et ce ballon qui ne donne rien. Quel effort sur cette interception, c'est impeccable. Ouais, la passe est mal ajustée et il récupère un ballon facile. Et que va dire l'arbitre après cette faute? Cette faute qui lui vaut un carton jaune. Quand on connaît son rendement offensif, on se dit bien que l'entraîneur va lui demander de se calmer. Il ne peut pas risquer de le perdre. Alors qu'on découvre le temps additionnel décompté. 3 minutes. Hein. 3 minutes de temps supplémentaire. Et voilà, c'est reparti. Ballon pas trop compliqué à reprendre finalement.
couche sur cette action. Directement sur le gardien qui n'a pas eu à bouger. Ah, ce sera une touche. Ah, ça n'est pas trop du goût du public, évidemment. Iniesta. Et ça sort en touche. Bonne récupération au milieu de terrain. L'adversaire qui s'empare de ce ballon. C'est bien contrôlé ça. Jouer la touche. Et l'autre chose de la frappe, et le dernier mot pour le gardien. Et il concède le corner. Est-ce que c'est un bon centre? Allez, corner donc. Bon choix. De balle. Allez, vous jouez la touche. Interception. L'occasion peut-être avec cette frappe. Ça n'est fallu de rien pour qu'il ne vienne tromper le gardien. Et je pense qu'il s'en va un peu là. On va peut-être prendre un avertissement. C'est de la tête. Ça a failli de tout qu'il reprenne ce ballon de la tête. Complètement la trajectoire du ballon. La défense qui concède un corner.
Il tente la volée. Ah, attention, la frappe. Ah, chouïa trop. Un ballon perdu. Force au centre. Un ballon rendu à l'adversaire. Ouais, c'est bien sauté sur ce ballon. Et on balance devant. Sortie des minutes. Touche longue, touche courte. Et intercepte. Et ça peut bien perdu. Et il centre. C'est dégagé. Oh, c'est bien parti. Et l'arbitre indique le poteau de corner. Compliqué à reprendre finalement. Alors que vous le voyez, il y aura 4 minutes de temps additionnel. Godin. Regardez, il connaît la décision de l'arbitre. Un carton jaune. C'est le meilleur et c'est suave. Qu'est-ce qu'il s'est fait récupération? Il y a de l'engagement, il parvient à rester debout. Iniesta. L'arbitre qui libère les 22 acteurs de ce match.